Bonsoir à tous. J'étais censé rider un peu aujourd'hui pour faire une petite vidéo Fujisquette, mais il fait pas beau, il pleut. Et ouais, du coup, je vais peut-être vous expliquer comment, pour les plus novices d'entre vous, on pourrait faire un Ollie. Bah oui, voilà, ça nous occupera, parce que j'ai une petite pièce juste là-bas. Bon, c'est le bordel, mais au moins, on a l'abri de la pluie, quoi. Bon, du coup, pour faire un petit Ollie, donc vous avez un pied ici, un autre pied ici. Donc moi je suis goofy, je le mets de ce côté-là. Si vous êtes régulier, vous serez dans l'autre sens. Tout simplement, moi je mets un pied là, donc mon pied sur le tail et mon autre pied sur le milieu de la borne. Avec mon pied là, je vais taper sur mon tail, voilà. Et avec celui-ci, je vais gratter vers l'avant. Ok? Je vous mettrai, regardez. Hop. Voilà, donc on revient ici. Donc voilà le frottement d'un Ollie. Le souci, c'est que quand vous allez débuter, vous allez avoir tendance à taper et à gratter, c'est tout. Vous n'avez pas pensé à lever ce pied-là en hauteur. Ok? Du coup, ça donne des Ollies de ce style-là. Donc voilà, donc ça c'est le genre d'Ollie quand on débute. Vous tapez, vous pensez pas lever votre pied sur le tail, du coup, et donc vous n'avez pas de pop et vous replaquez direct. Donc ça c'est le Ollie quand on débute. On est tous passés par là, je vous rassure. Faut vraiment penser à lever son pied arrière pour pouvoir faire des Ollies bien plus haut et avoir un très bon pop. Donc j'ai montré comment on me fait avec le pied arrière. Bon, je vous rassure, j'ai pas un pop de malade pour le moment, il faut tant que je récupère tout ça. Mais je vous montre un peu ce que ça donne. Ah, voilà. Voilà, surtout pensez à claquer, lever votre pied et lever le pied arrière. On pop, on gratte avec le pied et on lève le pied arrière. Rien de plus sorcier. Rien de plus sorcier que pour apprendre le Ollie. Pensez au pied arrière, c'est tout. Comme je dis, moi au début je faisais juste des petits Ollies. Hop, on claquait juste, et puis voilà. Je ne vais pas vous faire grand chose de plus aujourd'hui sur cette petite vidéo de skate, puisque, comme vous pouvez voir, le temps est tout pourri. Il pleut d'avril. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, petite vidéo pour vous apprendre le Ollie, hein. Pour ceux qui commencent, hein, ceux qui sont déjà plus haut, qui ont un plus haut niveau que moi, ou qui sont au même niveau que moi, vous savez tous faire en Ollie. Mais bon, hein, faut bien commencer quelque part. Mais t'inquiète pas, il va y avoir un petit bonus en fin de vidéo, puisque j'ai eu le temps de faire une petite session dans la semaine. Et j'ai fait des petits trucs assez sympathiques. Donc j'ai fait une session dans ma cour, il y avait plein de sable, donc c'était casse-gueule, j'ai fait des gamelles, mais phénoménal, je vous dirai tout ça de toute façon. Et j'ai rentré des petits tricks assez sympathiques. J'ai rentré un très bon Ollie, j'ai fait un Bob Shove-it, un big spin, un fakie big spin, un varial flip, et j'ai quasiment rentré le 3-6 flip. J'avais cru que j'avais totalement tout perdu, mais en fait non, ça va quand même. Pour la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ça dépend encore du putain de temps de merde là, j'ai repéré un petit parc, un petit peu sympa, il n'y a personne, il est bien caché. En fait, lors de un de mes chantiers, je dis oh tiens, il y a un parc ici, parce qu'il y a quand même une petite demi-heure de route de chez moi. Mais s'il fait bon, je pense que j'irai faire une bonne session là-bas et vous faire une vidéo. Donc je vous mets un petit aperçu du parc, là, juste là maintenant. Donc c'est filmé avec mon téléphone, donc désolé pour la qualité. Et on va faire des petits trucs sympathiques là-bas. Il me semble qu'il y a un petit gap de 3 marches. Alors Certes, je suis censé être interdit au gap. Donc 3 mars, quoi. Enfin, voilà. J'aimerais bien aussi que vous me proposiez, dans les prochains épisodes de Fujisquette, des tricks à travailler, hein, quoi que ce soit, des tricks que j'ai déjà rentrés ou des tricks que je ne connais absolument pas, proposez-moi ça, j'essaierai de travailler dessus, et puis on verra si j'arrive à les rentrer au bout d'un moment. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse avec le petit bonus de fin, et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Fujisquette. Voilà. Bye bye, bisous bisous. Le 3-6, ça sera pas aujourd'hui. Ça va pour une première session, non? Avec un petit bobo. Aïe 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 aïe. Prochaine fois, on 3-6, il rentre. J'en suis sûr.